donc là on est dimanche, c'est la deuxième manche du Portugal. Diamond il est en grille là et ça part dans une demi-heure. Du coup on espère qu'il va faire comme hier ou même mieux, ce serait bien. Et donc voilà, donc je vais essayer de vous filmer un petit peu tout. Et je vous filmerai aussi quand il sera au stand et je vous montrerai un peu comment ça se passe. Je crois que la troisième position elle se mérite. Je viens de descendre de la moto et une demi-heure après on est au McDo. Bon, on vient de se laver. On va bientôt repartir pour aller au podium et tout ça. Du coup, petit résumé de la deuxième manche. Daimon, il va vous le faire. Du coup, deuxième manche, bon départ. J'étais en tête sur la ligne droite. Au virage, je vire deux derrière Levrault. Je pense que c'était lui qui avait fait le shot. Yentl m'a passé. Ensuite, Todd m'a passé. Il y avait un Argentin aussi. Un Argentin ou un Portugais, Cunha. Un Portugais, Paulo. Portugais, donc mon début de course un peu moins bien qu'hier. Après, j'étais longtemps en bagarre avec Camille. Et on s'est passé, repassé. Après, Camille, il a dû avoir un problème. Parce qu'il est rentré dans les 36 minutes au ravito. Et après, moi, quand j'ai ravitaillé, quand je suis ressorti, j'avais entre 15 et 20 secondes d'avance sur lui. Et puis après, il est revenu sur moi, j'ai surcreusé et je dois terminer que je sais pas, 30-35 secondes d'avance. Ouais, sur c'est ça. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que je fais 3e du championnat du monde des courses de sable. Donc ça, c'est top parce que c'était vraiment pas facile après Loun avec mes blessures. J'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Aujourd'hui, physiquement, je l'ai payé un peu. Mais voilà, c'est cool, ça fait du bien au mental, ça fait du bien aussi pour les partenaires. Puis voilà, là à 16h45, il y a la remise des prix au casino. Puis voilà. Ah, t'es chaud! Giving ceremony. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. And now we can listen the national anthem from Belgium for the winning of Yentl Martens. Thank you.
des petits sourires. Miss Kitty. Il le fait ça, il le fait souvent ça? Ça va, ça c'est une des tâches ménagères qu'il aime bien faire et qu'il fait régulièrement. Bon, on est à l'aéroport de Faro là, il est 4h20. On s'est levé super tôt ce matin, on s'est levé à 3h je crois. On a rendu la voiture de location, on vient d'arriver à l'aéroport. On comprend pas parce que notre vol était annoncé à 6h05, au final on décolle à 7h10. Du coup on ne comprend pas. Là Charlotte, Damon et Raphaël ils sont en train d'enregistrer leur sac. Et après on va aller boire un café puis on décolle. Ça va Damon, pas trop flemmard? On vient d'atterrir, mais quand je vois le temps qu'il fait, je pense qu'on aurait dû rester là-bas.